Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis fait rouler par une roulure, quoi. Bon, la roulure, c'est pas une personne. Je me suis fait rouler, oui. Oui et non, parce que le bois, je l'avais pas payé cher à l'époque. J'avais acheté tout un lot de châtaigniers dans le village. Très intéressant au niveau prix. Très, très intéressant au niveau du prix. Mais il se trouve que ce bois, il était piqué un peu par endroits, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, la vrillette notamment. Et puis, il y a aussi le bois gelé, dont il faut se méfier. Mais tout ça, on en fera d'autres petites vidéos comme ça. Là, les portes coulissantes, ce sera pour la semaine prochaine, parce qu'elles sont en train de sécher. Et je me suis dit que j'allais faire cette petite vidéo, c'était le moment, parce que j'avais tout ce qu'il fallait sous la main. Donc, je vais vous parler de la roulure. La roulure, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose que vous devez surveiller quand vous allez acheter du bois. La roulure, c'est un défaut du bois et qui peut être problématique en fonction de ce que vous voulez réaliser. Par exemple, sur les portes que je suis en train de réaliser, eh bien, il y a sur les cadres, sur la structure de mes portes coulissantes, sur le cadre, pardon, qui va accueillir les portes coulissantes exactement, il y a un angle qui s'est cassé. Alors, il s'est cassé, il s'est pas cassé tout seul en fait. C'est simplement qu'il y avait de la roulure et qu'à cet endroit-là, je ne l'avais pas vu. Puisque je sais que ce châtaignier en a, je fais attention quand je sélectionne mes pièces. Maintenant, je pense que c'est le moment de vous montrer ce qu'est la roulure. Bon alors, j'ai trois parfaits exemples à vous montrer. La roulure peut avoir deux causes, il me semble, j'ai lu ça sur Wikipédia, je vous remettrai le lien dans la description. Soit ça vient d'un problème traumatique, soit c'est un problème mécanique, une casse ou autre chose. Ou alors, sur le premier, un champignon ou autre chose. Peu importe. Ce que je veux que vous sachiez, c'est la reconnaître. Parce que ça peut vraiment vous poser des soucis dans les créations que vous souhaitez faire. Il faut savoir la repérer, parce que si ce bois passe dans la toupie et qu'à cet endroit-là, vous avez de la roulure, un morceau peut se détacher et peut être éjecté à l'arrière, donc ça peut être extrêmement dangereux. Le châtaignier a de fortes prédispositions à avoir de la roulure. Il y en a apparemment très souvent. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez souvent des plateaux de châtaigniers qui sont fendus. Et des fois, j'ai des plateaux qui sont ouverts de 20 cm à un bout et qui sont encore accrochés à l'autre. Ces plateaux-là, vous pouvez les prendre et en forçant un tout petit peu, tac, vous pouvez les séparer en deux et ça vous fait deux planches. Donc, il faut savoir regarder et ça se regarde sur le bois de boue. Je vous montre ça. Alors, voici ce qu'on voit en bois de boue. Là, j'ai recoupé une tranche pour que vous puissiez bien voir. Vous avez ici toutes les cernes de votre bois de boue. Là, vous les voyez, toutes les parties plus foncées, ce sont les cernes de croissance. C'est comme ça, notamment, qu'on détermine l'âge d'un arbre en partant du cœur. Là, en l'occurrence, la roulure, eh bien, c'est toujours au niveau d'une cerne de croissance, puisqu'en fait, la roulure fait que les deux parties d'une cerne de croissance, les deux côtés, n'adhèrent plus ensemble, et le bois va forcément fendre, et là, on le voit ici. Ça se remarque parce qu'il y a toujours une partie plus foncée, là où il y a la roulure. Vous voyez qu'il y a un début de fente sur le dessus. Ensuite, ça se propage comme ça. Le bois de boue s'écarte et la fente s'agrandit. Alors oui, ça ressemble plus à une fente, mais parfois, vous n'avez pas encore la fente sur le dessus où elle se voit très peu comme là. Et si vous voyez cette partie plus foncée ici, elle est légèrement jaunâtre sur mon châtaignier, là, autour de la fissure, eh bien, cette fissure suit, comme ici, une cerne de croissance, eh bien, c'est de la roulure. Alors, on peut se dire que c'est qu'une petite fente. Le problème de cette petite fente, eh bien, c'est que ça donne ça après. Ça, c'est ma planche. Ça, c'est la roulure. Les deux côtés de la cerne de croissance n'ont pas adhéré l'une à l'autre. Elles sont un peu collées par les restes de sève, par, que sais-je encore, la poussière et autres, peut-être, je ne sais pas exactement. Mais ces deux parties étaient collées l'une à l'autre. Et quand je les ai coupées, ça les a fait vibrer un peu et ça les a décollées. Et oui, si vous passez une pièce comme ça dans la toupie et que vous ne faites pas attention à la roulure, eh bien, il y en a une qui va partir en arrière. Et ça va être extrêmement dangereux. Donc la roulure, il faut savoir la repérer. Et une fente comme celle-ci, par exemple, là, elle est un peu courte pour pouvoir forcer à la main. Mais voilà, vous voyez,
Elle a fendu toute seule. Et tout le long, elle a suivi la cerne de croissance. On est sur la même cerne d'un bout à l'autre. Alors, là, au début, on voyait la fente que sur une petite partie, mais celle-ci se propageait, et on voit très bien, vous voyez, notamment là, on ne la voyait pas au bout, il y a juste ce petit morceau qui tenait un petit peu. Tout le reste, on voit que ça ne tenait plus du tout, et même ici. Alors, ça peut paraître bête, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est quelque chose d'extrêmement important à savoir. La roulure, il faut savoir la repérer. Alors, vous n'allez pas regarder chaque planche, mais vous allez regarder le lot où vous allez acheter votre bois. La roulure, par exemple, vous allez très majoritairement la trouver sur du châtaignier. Donc, si vous allez acheter du châtaignier, contrôlez, voir si vous voyez ces petites marques en bois de boue. Le problème, c'est que si le bois n'est pas juste recoupé au bout, ça va être difficile de voir si c'est de la roulure ou si c'est une fente naturelle. Parce que le bois a naturellement tendance à sécher, en séchant. Parce qu'en séchant, le bois de boue perd beaucoup plus d'humidité que le dessus et le dessous d'une planche, et ce qui fait qu'il a tendance à fendre. Donc maintenant, à savoir si c'est une fente parce qu'il a séché trop vite par le bois de boue ou est-ce que c'est une fente de la roulure, ça c'est à vous de le déterminer avec l'expérience. Mais sachez que le châtaignier le fait énormément. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, que vous pouvez avoir des planches qui soient bien accrochées comme ça à un bout et à l'autre vous retrouvez avec deux petites planches seulement parce que c'est fendu au milieu et là vous êtes sûr que ce bois, il a la roulure si c'est une fente qui est sur quasiment toute la longueur. Ça ne rend pas le bois inutilisable, mais par contre, il faudra l'adapter aux pièces que vous souhaitez réaliser. Vous n'allez pas faire un montant avec la roulure en plein milieu de ce montant, parce que votre montant, bah, ça va faire comme là. Il va se séparer. Et celui-là, on voit qu'il n'y avait plus rien à le tenir, en fait. C'était la partie qui était un peu plus loin qu'il tenait, et c'est quand j'y coupais que je me suis rendu compte que cette partie-là était atteinte, parce que j'avais pas forcément regardé le bois de boue. Et ça, il faut savoir que vous pouvez aussi bien le trouver chez un particulier comme moi, mais vous pouvez aussi le trouver en scierie, donc faites extrêmement attention. Bon, et bien voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Je vous demanderai de commenter, liker et partager si vous avez aimé, de penser à mettre le pouce bleu et surtout de me dire en commentaire si vous avez aimé ce type de petite vidéo. Ce type de vidéo fera partie d'une série sur les choses à savoir sur le bois. Alors, on y verra les défauts du bois, les différents types de bois, leurs qualités, leurs défauts et surtout leur utilisation. Une des prochaines sera sûrement sur le bois gelé, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est quelque chose que j'ai vu très, très, très souvent en allant voir pour des petites annonces, surtout chez des particuliers, pour pouvoir acheter du bois. Alors, quand c'est pas cher, il faut voir si c'est une bonne affaire ou une vraie fausse bonne affaire, si le bois a des défauts, comme ici. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.